Bonjour et bienvenue à tous sur le Média Digital 360. Et si on se disait tout, votre émission de débat politique débute avec comme invité Abdelhad El Fessi, membre du bureau politique au PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Et j'ai envie de dire face à lui, Alain Benchkoroun, qui lui est membre du Conseil national de l'Istiqlal et également vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci une fois pour votre plus. Invitation. Merci à vous. Et je rappelle aussi bon ramadan. Bon ramadan. Et, que, enfin, et bon fin de ramadan, mon ami. Donc, on voit Alain Benchkoroun bien engagé dans son avant-propos, Abdelhad El Fessi. Le regard, appréciation que vous portez sur ce qui se passe depuis des semaines et avec l'acte le plus récent, la situation la plus récente et l'agression homophobe à Fès. Bon, d'abord, tout ceci est très regrettable et condamnable. Il y a un principe d'abord de liberté individuelle qui est important, bien sûr dans le respect des règles et des lois en vigueur. Et il y a l'exigence de condamner avec les plus extrêmes vigueurs toutes les agressions, même des agressions contre des gens qu'on suppose coupables. Et nous sommes dans un état. Si on prend un cas concret, un cas d'école, l'agression homophobe par exemple à Fès qui. Je pense pas. Disons à ce cas. Mais par exemple, même si on attrape un voleur. Ben, la foule n'a pas lâché à le faire la loi. Il y a quand même des institutions dans ce pays. Et il y a la justice, il y a la police, etc. Il doit s'expliquer, se défendre, etc. Voilà. Donc c'est absolument condamnable. La priorité doit être à la loi, doit rester à la loi, bien entendu. Et bien évidemment, toutes ces affaires qui s'empilent comme si véritablement elle répondait à une sorte de volonté de vouloir entraîner disons le pays vers des crispations et vers des débats d'ordre idéologique dont on n'a pas besoin. Il y a d'autres priorités, il y a d'autres urgences. Alain Benchkoroun, membre du Conseil national de l'Istiqlal et vice-président de l'Alliance des économistes istiqlaliens, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Je signe et je partage parfaitement tout ce qui a été dit. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Istiqlal est sur la même ligne politique que le PPS et les partis de la majorité gouvernementale. Oui, je trouve que la déclaration de la majorité était à la hauteur et que... Il y a le communiqué qui a été diffusé suite à la rencontre des quatre chefs de parti. On ne retrouvera pas de fraction entre la majorité et l'opposition sur ces sujets sociétals. Et ce qui veut nous amener à ces expositions ou surexpositions des faits divers qui existe toujours. Nous, on dit liberté et responsabilité. Liberté et responsabilité. Fait divers ou fait liberté. Société. Ce qui se passe, que ce soit l'agression homophobe à Fès, que ce soit ce qui s'est passé vous croyez à que c'est la première, précédemment. C'est que c'est la première agression homophobe au Maroc. Ça a toujours existé. Mais par rapport à ça, parce qu'il y a des populations aussi qui... qui s'inquiètent, et sont essentiellement la gente féminine d'ailleurs, qui se dit, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas menacé, qui sentent un certain climat d'insécurité, qui considèrent à tort ou à raison que le politique a mis du temps à s'exprimer, à avoir une position tranchée, et qu'en fait, ben, la rue, les espaces publics aujourd'hui laissent peu d'espace à l'exercice des libertés publiques. Il y a un climat qui n'est pas bon. Ça veut dire que là, l'appareil judiciaire, la magistrature n'a pas fait son travail, Indigène par exemple. Parce que pour l'instant, il n'y a pas condamnation. Pour le moment, il n'y a pas condamnation. Mais à mon avis, ceux qui auraient dû être poursuivis, c'est les gens qui ont commis des agressions et Sur les jeunes filles. C'est le même discours que tenu par Nabil Ben Abdallah. Encore faut-il que ces jeunes filles portent plainte au PPS. Donc ça veut dire mais vous faites une seule lecture de la société. Vous avez bien vu. Bon, il y a des phénomènes, il y a des incidents. Comme partout dans le monde, il y aura toujours des incidents, mais la société a réagi. Les femmes ont réagi. Et à date d'aujourd'hui, aucun parti politique, finalement, parce que c'est quand même les partis politiques ou le gouvernement, qui veut changer la loi. Personne ne prétend vouloir aller dans le sens homophobe, etc. Il n'y a rien qui se dessine en tendance lourde pour que ces phénomènes soient le symbole d'une expression lourde. Nous sommes, à mon avis... Pour vous, c'est les épiphénomènes en fait, de société qui traduisent une certaine dynamique, voire sociale, c'est ça en fait. Ça peut être des phénomènes de certains replis, certaines mauvaises interprétations. Il ne faut pas leur donner une surdimension parce que, généralement, les médias aiment ça comme ouverture de titre.
Et malheureusement, au niveau de l'extérieur, ça prend beaucoup, beaucoup une dimension comme si c'était... Donc on peut dire qu'il y a une couverture internationale. Incroyable, juste incroyable. Et finir là-dessus, parce que je rappelle qu'on va revenir sur les questions économiques et politiques, en toile de fond aussi avec la perspective des élections communales et régionales. Mais je crois le fait que, juste pour l'agression homophobe à Fès, fief de Hamid Chabat, qui est également secrétaire général de l'Istiqlal, à ce jour, pas forcément de réaction de Hamid Chabat et que ça se passe chez lui. Est-ce que là, il va s'exprimer, il faut s'attendre à quelque chose de... Le maire de la ville ne peut pas rester silencieux sur un événement comme ça et je ne doute pas de sa réponse. Il va condamner. Sur une ligne un peu conservatrice, comme lorsque il s'est exprimé sur le film de Nabil Ayouch, Much Loved, où il a fait cette déclaration en disant qu'il appelait Nabil Ayouch à rentrer dans les rangs et à rejoindre le droit chemin. Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir une position de Hamid Chabat sur l'agression homophobe Je ne l'espère pas. Il faut que les positions soient claires. Liberté et responsabilité. Liberté pour les uns et responsabilité des uns. Moi je voudrais dire quelque chose. Vous savez qu'il y a un projet de code pénal qui est en discussion. Qui a fait parler aussi beaucoup de lui, qui continue à faire parler de lui d'ailleurs. Un projet c'est un avant-projet. Un projet de code pénal qui globalement... mis à part 5 ou 6 points qui sont discutables, constitue une grande avancée sur un certain nombre de points. Oui, mais il faut qu'il sorte. Oui, il faut qu'il sorte, bien entendu. La réforme de la justice, il faut qu'elle sorte. Je continue mon idée sur un certain nombre de choses, des peines alternatives, la criminalisation d'un certain nombre d'atteintes aux droits humains, etc. Mais il y a 4 ou 5 points qui faisaient débat. Et nous sommes très clairement dit qu'il n'y a pas aujourd'hui un problème, par exemple, en matière de manger publiquement pendant le mois de Ramadan ou de problème de relations sexuelles hors mariage qui tendrait à penser que la société est totalement dévoyée pour impliquer, disons, plus de sévérité. Comment dire, plus de sévérité, dans les sanctions. Donc on s'est exprimé très clair et aujourd'hui, il y a un débat. Ces dernières affaires montrent qu'il y a un point et un nouveau front de combat pour améliorer ce projet de code pénal. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'ikhla bil haya, ou pour préciser, l'atteinte, disons, aux bonnes mœurs, ou l'atteinte, disons, mœurs, ouais. etc., ouais. Ça demande à être précisé. Parce que ça, sinon, ça laisse la voie ouverte à toute une série d'interprétations. Des précisions jusqu'à la tenue vestimentaire. Il faut préciser les quoi, parce que pas jusqu'à ce point, mais c'est des sujets où le Maroc est loin. Non, on va pas remettre le Maroc là où il a su éviter. Ces débats ont été évités avec la sagesse de tout le monde, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les autorités plus hautes. On a un certain art du juste milieu dans la formulation, dans le traitement des choses. Il y a des poussées, comme de temps en temps, dans la société, il y a des poussées. Il y a des pics de fièvre, parfois. Mais c'est géré. Ça a toujours été géré depuis l'indépendance, de façon savante, avec des évolutions positives du droit. Certains veulent aller plus vite que d'autres, et c'est tout à fait normal. Il y a de l'impatience au niveau des femmes, ou au niveau des jeunes, c'est tout à fait normal. Mais la société est telle, elle est multiple. Et tout ce qu'on a pu éviter, qu'on ne nous ramène pas dans des fractures, il n'y a pas de fracture sociétale sur ces thèmes-là au Maroc. Sujet de société, pas forcément de l'expression de fracture sociétale selon vous, mais c'est peut-être ça symbolise cette société qui va de l'avant et qui bouillonne avec parfois des pics de fièvre, même si il faut être extrêmement vigilant par rapport à ce qui se passe. Il est possible de déraper, de corriger le tir, de revenir parler à quelqu'un avec qui on est en opposition frontale. C'est le Maroc. Le Maroc, si aujourd'hui le Maroc reste et a pu dépasser beaucoup de tentatives de déstabilisation, c'est qu'il y a une culture, une âme. Le consensus. Non, ce n'est pas le consensus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un consensus mou. Non, ça évolue. Ça bouge. On diverge sur les lignes rouges, comment les faire bouger, à quel moment les faire bouger. Mais globalement, le pays, et au niveau sociétal, a bougé et peut absorber même des tendances extrémistes. Vous voyez que notre capacité d'absorber
certains salafistes, certains extrémistes. On a un art. On arrive à les reconvertir, voire les reconvertir. Les introduire dans le jeu. L'extrême. Je ne serais pas étonné que les élections prochaines, l'extrême gauche se retrouve au Parlement parce qu'elle va retrouver une certaine place, parce qu'on a compris qu'elle doit s'exprimer même dans les institutions. Et elle-même, l'extrême gauche, a compris qu'elle doit être dans les institutions et que le grand jour, n'y a pas de grand jour, grand soir au Maroc. On revient là-dessus parce que je voulais qu'on passe au débat économique, parce que si effectivement il y a apparemment majorité opposition, en l'occurrence aujourd'hui PPS et Istiklal sur la même longueur d'onde, j'allais dire par rapport à tous ces faits de société qui agitent et qui secouent notre actualité, d'un point de vue économique, Abdelhad El Fessi, est-ce que là c'est pareil, tout va pas trop mal et que la majorité gouvernementale arrive est en capacité d'assurer un pilotage économique qui permet à tout à chacun de récolter les fruits d'une croissance économique dynamique. Concernant, disons un peu la situation économique. Les deux premières années, disons, de ce gouvernement, de cette majorité, auquel j'ai d'ailleurs participé au départ. C'est-à-dire 2012-2013, première séquence. C'était des années très difficiles. La majorité veut enlever 2 ans dans les 5 ans. Non, on enlève pas du tout. Ça a démarré en 2014. On assume complètement pour une raison bien simple. Pour une raison bien simple, depuis 2008, on a, disons, un mode ou une stratégie, disons, de développement où l'investissement joue un rôle très important. On arrive, depuis 2008, à consacrer à peu près 30%, disons, du PIB, disons, à l'investissement. C'est une très bonne chose. Ça permet de développer les infrastructures. Ça a permis également de créer un tissu économique très diversifié. Sauf qu'à un certain moment, et c'est la situation auquel s'est retrouvé confronté, le gouvernement, en 2012, il va falloir payer, disons, la note. Parce que ces investissements, bien souvent, ont été financés par de l'endettement. Abdel Fessi nous dit, voilà, en fait, il a fallu revoir le terrassement parce qu'il y avait une situation qui nous a été laissée, en tout cas qui a été compliquée, et qu'aujourd'hui, tout va pour le mieux, ou en tout cas, tout ne va pas trop mal. Voilà. Moi, je veux bien considérer à la rigueur, si on nous avait dit que voilà, avec ce gouvernement-là, voilà mon programme, c'est bon, j'ai un problème ici, je vais essayer de réduire ça, etc., etc. Que ça aurait été un contrat clair. Malheureusement, rien n'est résolu. La dette publique globale dérape, 73% en 2013. Du PIB ? Ouais. Projeté en 2016, c'est-à-dire lorsque vous allez rendre les clés, à 81,2%. Catastrophique. Qu'est-ce qu'on va faire après ? 82%, c'est en valeur, on dépasse largement les 700 milliards de dirhams. Dette du Trésor, ça. Qu'on nous dit, on essaie de réduire le budget, une somme 65 en 2016. La projection est de 65. Je ne vois pas où est l'amélioration. Alors on nous dit, attends, l'année exceptionnelle, les mesures qui ont été faites sur la caisse de compensation, déficit budgétaire, oui, mais moins 5,7, moins 5,1, moins 4,4, et moins, ça fait toujours moins 4,4. De déficit. C'est vrai que nous ne sommes pas à moins 7, mais nous sommes quand même à moins 4,4. Vous allez terminer votre mandat avec un déficit qui lui-même, évidemment, chaque fois qu'il est négatif, augmente la dette du Trésor et la dette publique. Donc, d'accord, la pire des choses, c'est l'emploi, parce que la finalité, vous allez être jugé sur quoi ? Sur la création d'emplois. C'est pas la création de richesses. Les Marocains vont probablement, encore une fois... Les citoyens vont pas demander des comptes sur la création de richesses, mais c'est sur la création de valeur en matière d'emploi. Oui, ils vont... sur l'emploi. Et ce gouvernement est choqué sur le terrain. On est choqué par les chiffres de la création d'emplois. Lorsqu'on a comparé avec les deux autres gouvernements, avec ces jetons, on était à 190 000 emplois par an. Avec Silfessi, on était à 135 000 emplois par an. Pour l'instant, et avec Sibenkeda, on était à combien ? 10 000 emplois par an. Non, non, net. Non. Non, non, non. Non, non, on est à 90 000. Ah, vous avez oublié un zéro dans vos chiffres. J'ai vu votre rapport, vous avez oublié un zéro. Hier, j'étais au ministère de l'Emploi et j'ai vérifié la création, la moyenne
de création, de, disons, d'emplois ces trois dernières années, c'est 90 000. Et l'année dernière, effectivement, les chiffres étaient particulièrement mauvais. Ça dépend comment on calcule, parce que si on prend le quatrième trimestre de chaque année, on fait la différence entre telle population active sur ça, on trouve le 9 000, je peux vous le confirmer. Merci, messieurs, parce que là, malheureusement, là, ça fait déjà plus d'une heure que nous débattons. Pourtant, 360, merci. Ça veut dire combien ? Deux heures ? Trois heures ? Trois heures, oui, ça, si on divise par 60. Merci en tout cas. Merci à vous, merci à Abdelhad El Fassi. Merci à votre invitation. Membre du bureau politique au PPS, le Parti du Progrès et du Socialisme. Merci également à Anan Benchkroun, membre du Conseil national de l'Istiklal et vice-président de l'Alliance des économistes istiklaliens. Merci à la technique, merci à celles et ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission. Et bon fin Ramadan. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous dire à très bientôt. Ciao.